Bah, ça va pas mal, hein. On a fini de finir la journée à BD là, qui s'est pas super bien passé. Comme à chaque fois qu'on vient ici depuis 3 ans, c'est à chaque fois un peu un week-end à oublier. Première manche, on casse la jante à l'avant, bon, coup de pas de chance, hein. Et puis deuxième manche, pas trop mal, Rémi fait 7. Après, Yannick a pas trop mal roulé en première manche et deuxième manche un peu moins bien roulé. Mais bon, après, c'est le jeu, hein, ça peut pas être tout beau, tout rose comme à Nouhans par exemple, où on a fait un beau, beau week-end. Maintenant, voilà, on va passer à la prochaine. On a un peu de temps et tout, là, justement, entre les deux épreuves. Donc, on verra comment ça se passe à Berchère. Mais voilà, on bilan pas très positif, pas non plus, pas non plus totalement négatif, parce qu'on repart quand même avec quelques points, mais on verra Berchère, quoi. On va revenir sur Nouhans vite fait. Ça faisait longtemps qu'un pilote à Moss n'avait pas planté une manche comme ça, comme Rémi l'a fait. Ça fait plaisir, ça fait du bien un petit peu. Bah ouais, ça fait vraiment vraiment plaisir parce qu'on se donne quand même à fond sur les bah, sur la mécanique, la préparation des motos toute l'année. Et c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on n'avait pas gagné une manche déjà et surtout fait un podium aussi de la journée. Sachant qu'en plus, bon, après, c'est vrai qu'indirectement, il y a quand même Jordan qui roule sous mes couleurs pour les suspensions et le moteur. Donc, c'est vrai que voilà, 1 et 2, ça fait vraiment plaisir, quoi. J'en ai eu limite les larmes à l'œil quand même. Ah, une fois de plus, ça m'est arrivé à la première, je me rappelle plus de l'épreuve là, mais. À Saint-Mamé, ouais, parce que j'ai démonté le 88 de Morgane, puisque c'est un pote à moi qui fait le moteur, et du coup, je lui ai, voilà, il n'était pas là, donc j'ai démonté le moteur à Saint-Mamé, celui de Rémi à Nouhans, donc bon, je commence à bien les connaître, les contrôleurs techniques, du coup. Mais bon, voilà, tout est dans l'ordre. Puis c'est pas plus mal d'ailleurs, puisque tout le monde se plaignait un peu depuis quelques années que. Et les suspicions, des machins, donc voilà, ils démontent à chaque épreuve. Moi, je trouve ça réglo. Voilà, on va pas se mettre à gueuler alors qu'on demande un truc et que ça arrive, quoi. Donc, non, non, il n'y a pas de souci.